Attention, ne confondez pas tribalisme et tribalité. Quand quelqu'un est dans un coin, il doit aimer son coin. Si tu aimes ta province, c'est bien. Si tu aimes ta langue, c'est bien. Le tribalisme commence quand? Quand l'amour de ta langue, de ta tribu, te pousse ou te conduit à rejeter les autres. C'est ça le tribalisme. Mais aimer sa tribu, c'est bien. Tu es de là, tu vas faire comment? C'est de là que tu viens. Tu dois aimer ta province, tu dois aimer ton territoire, tu dois aimer ton village. C'est normal. Si tu n'aimes pas ton village, c'est un péché. Par exemple, les Kassaïens là, qui n'ont pas construit chez eux sont des pécheurs. Ils iront en enfer. Je répète. Tout Kassaïen qui n'a pas construit chez lui ira en enfer. Tu es Kassaïen, tu n'as pas construit chez toi. Tu es maudit. Il faut construire chez toi. Il faut aimer chez toi. J'ai fait un poème là sur le Kassaï. Pour Kassaï, j'ai dit, construisez chez vous. Quelle gloire vous avez à construire ailleurs, chez vous, ce n'est pas construit. Vous allez avoir honte. Tout Kassaïen qui a l'argent fouille pour aller construire ailleurs. Vous êtes des gens déracinés. Je vous lis ce poème. Bougimaï, c'est le centre. Mais chacun doit aller dans son village. Non seulement tu as construit en Bougimaï, mais tu dois aussi construire chez toi. Demande à ton voisin là, du Kassaï là, chez toi, c'est précisément où? Tu ne connais même pas. Oh, c'est du côté de l'Omouel. Je vois ici, il n'y a qu'une personne qui ira au ciel jusque-là. C'est Honorable Jean-Claude. Parce que lui a construit à Loupoute. Donc lui ira au ciel. Même moi qui vous dis si j'irai en enfer. Parce que je n'ai pas encore construit en Founiangando. J'ai dit ceci dans le poème. Je m'appelle centre. Et j'ai dit j'entre ou je rentre. Hmm? C'est ça. Nous, nous sommes le centre du Congo. Je m'appelle Kassaï et je sais que je suis haï. Je suis oriental, mais je tiens à être central. Quand nous étions à Lubumbashi à l'époque, quand nous étions petits, les bananes plantains venaient d'ici. Il y avait le haricot qui venait d'ici. Je suis oriental, mais je tiens à être central. Je m'appelle Lomami et je n'ai pas beaucoup d'amis. Je m'appelle Sankuru, je suis plein de figures de proue. Sankuru, Lambert Mende, chez Okitundu. Peut-être que le gouvernement fera pour nous des choses. Mais c'est à nous de planter des roses qui créeront notre développement. Peut-être que les politiciens nous feront du bien. Mais c'est à nous d'être fiers de cette terre qui nous est chère. Et il faut qu'on ait une nouvelle génération de jeunes Kassaïens qui préfèrent rester ici. Qui disent comme les ancêtres, « Kwetukundela nashaba kwambanzala. » C'est-à-dire, je vais bâtir ma vie ici. Pourquoi est-ce que les Kassaïens, lui, doivent avoir toujours l'impression qu'il doit fuir? Reste chez toi. Tu as un devoir vis-à-vis de cette... Moi, j'étais en Europe. Je n'aimais pas. J'ai compté les jours. J'ai fait 3 ans en Espagne comme Fidei Donum. Mais je venais, je faisais 3 mois, 4 mois à Kinshasa. Mon curé là m'a dit, non, non, c'est lui qui t'a envoyé ici, t'a fait souffrir. J'ai compté les jours pour rentrer. Alors, j'ai dit aux gens, je rentre au Congo. Au Congo, il dit, ah bon, on rentre à Kinshasa. Alors, la fille l'a écrit comme ça, elle dit, Abbé Blaise, moi, je n'étais pas d'accord. Quand tu as décidé de revenir à Mbujimaï. Mais oui. Moi, je suis allé à Kinshasa. Hein, on m'a promis là-bas que j'allais voir le président. Est-ce que je l'ai vu là-bas? Je l'ai vu seulement ici. Moi qui suis rentré à Mbujimaï. C'est à partir de Mbujimaï. Maman là qui nous a vus à Paris ou de France. Il nous a vus à partir d'où? De Mbujimaï. Donc, Dieu peut te bénir là où tu es. Aime chez toi. Moi, j'ai dit, je rentre chez moi. Parfois, les gens ne voient pas que nous sommes des héros. Il y a des gens qui vont en Europe là, qui ne peuvent pour rien au monde rentrer, même des prêtres. Ils refusent de rentrer. Mais nous, nous sommes rentrés. Nous rentrons chez nous. Il n'y a pas d'eau. On rentre. Tu vas commencer à utiliser l'eau dans un seau. Je rentre. Tu laisses la baignoire ici. Oui, je laisse. Tu laisses l'eau chaude. Je laisse. Tu laisses les biftecs. Je laisse. Je veux. Alors, soyez comme nous. Parce que nous, nous avons quitté. Et l'Europe et Kinshasa. Et moi, je suis né à Lubumbashi. Et Lubumbashi et Kinshasa et l'Europe. Même quand je vais à Lubumbashi, je ne suis pas à l'aise. Moi, je veux toujours rentrer ici. Aimer chez vous. Ça, c'est la tribalité. La tribalité positive. Maintenant, le tribalisme, c'est quoi? C'est-à-dire que tout celui qui n'est pas de ta terre, tu commences à le haïr, tu commences à le chasser. Quitte notre province. C'est ça, le tribalisme. Mais aimer sa province, y construire, y bâtir sa vie, ça, c'est positif. Ça peut te faire entrer au ciel. Parce que Dieu va dire, ah, tu t'es occupé de la terre que je t'ai donnée. Tu peux maintenant entrer au ciel. Mais si tu as négligé ta terre,
Parce que la Bible dit, le ciel appartient au Seigneur, mais il a donné la terre au fils d'Adam. Nous, c'est la terre dont nous devons nous occuper. Le ciel appartient à Dieu. Occupons-nous de la terre. Que chacun connaisse son village et que chacun ait comme projet. Si j'ai une maison en Bougimaï, que j'ai aussi une maison dans mon village. Que cela entre dans tes prières. Or, nous, quel esprit nous avons ? Au village, il y a la sorcellerie. La sorcellerie. Si tu vas à Chitolo, on va te mentir. Parce que tu crois que tu goûtes bon. Qui t'a trompé que tu goûtes bon ? Honorable a construit. Honorable.